Iba Tawajir chante Véronique Sanson en direct ce soir sur TF1, The Voice. Pour qualifier Iba en demi-finale et la retrouver en tournée, envoyez le 8 par SMS au 72 500 ou par téléphone au 39. Très classe. Bravo. Et je voudrais saluer notre pianiste Frédéric Gaillardet qui vous a accompagné, qui est aussi le pianiste de Véronique Sanson qui est en tournée en ce moment et que l'on salue. La classe absolue. Mika, ouais. Vous aviez dit d'enlever les fioritures, les vibes qui n'ont pas de sens. Est-ce qu'elle a gardé l'essentiel et la substance de cette chanson? Absolument. Absolument. Iba, t'as super bien chanté. Non, mais c'est vrai, tu le sais. Et moi, je trouve que quand Iba réussit à chanter d'une manière simple... Mais sans perdre toute la démonstration qu'elle a. Son identité. Rester démonstratif et aussi élégante au même temps. Vraiment, elle a une puissance. Elle peut nous transporter vraiment très, très loin. Et moi, je me regarde parce que j'ai vu la performance de la semaine dernière et je me suis vu à l'écran. Et c'est moi qui est comme ça. et c'est en fait parce que je... Vous vivez intensément. Non, mais la vérité, c'est que j'attends tellement de cette jeune chanteuse qui a seulement 27 ans. Et je pense qu'elle peut faire tellement que c'est vraiment très impressionnant comment, maintenant qu'il y a tellement d'yeux, il y a tellement d'œil, il y a tellement de regards qui sont en train de l'observer, c'est maintenant qu'elle décide de se dévoiler et de devenir encore plus simple, sans perdre sa voix. C'est hallucinant comment ça marche. Donc c'est bien, c'est une bonne... Oui, il y a un oui mais... Non mais, moi je t'adore Iba, je trouve que t'es magnifique, que tu chantes super bien tout ça, mais... Moi, j'aime bien ces notes un petit peu arabisantes et tout ça. C'est ce qui la définissait aussi. Ça prouvait aussi. Ça ancrait davantage sa personnalité. Et je trouve qu'on les perd trop. Alors, j'adore cette simplicité-là, mais juste un petit chouïa, oui. Je trouve que là, ça ancrerait et ça marquerait plus ton empreinte. Un truc, je pense que bon, c'est après, très important. Ta coach, mais... Non, mais. Non, mais. C'est très intéressant. Mais j'attends que ça, en fait. Diba, elle me laisse comme ça. Franchement, on est en attente, en fait. Oh, oui. Cela dit, c'est super important que moi, quand je suis en train de parler des décorations, je ne parle pas des notes arabisantes. Oui. Je suis en train de parler des démonstrations qui sont un peu plus théâtrales dans la langue française.
aussi. Oui, mais j'ai l'impression qu'elle se bride. Bon, alors vous arrêtez de vous engueuler maintenant. Oui, Zazie, en fait, départagez-le. Non, mais c'est sûr, très important. Mais je suis d'accord avec lui. Oui, mais c'est très important que de chanter comme elle a chanté la chanson de Michel Legrand avant. De la faire dans la version arabe, ça peut devenir juste non, une mais sorte totalement. De gimmick automatique pour non, se sauver, mais c'est pas ça qu'il faut faire. J'entends et je crois que le téléspectateur... Tu déclenches. J'entends le débat, donc ça veut dire que la matière... Ça manque. Restons zen, Zazie. Le mot de la fin. Voilà ce que tu déclenches. Tu déclenches la passion, donc c'est parfait. Voilà, tu vois. Non, mais moi, je suis assez d'accord avec Mika sur les purs, comme ça. Et arriver à cette pureté, t'es une des meilleures chanteuses, en fait, de cette compétition, techniquement. Et là, tu mets la technique au service de l'émotion et non pas le contraire, donc c'est parfait. En gros, ne pas arabiser tout le temps parce que... Un petit chouïa. Ça va, n'en rajoute pas, c'est bon, on vient de faire 10 minutes. Non, je veux qu'on en parle.